Je suis Brice Sauvent-Magnier, je suis le responsable communication de la centrale nucléaire de Saint-Laurent. Alors, la centrale nucléaire de Saint-Laurent a une histoire un petit peu ancienne, puisqu'elle démarre à la fin des années 70, en 1969, avec la création de ce qu'on appelle SLA, qui est l'ancienne centrale qui n'est plus en fonctionnement aujourd'hui et qui est une centrale avec une vieille technologie, une technologie graphite-gaz. Cette centrale a été arrêtée dans les années 90. Aujourd'hui, nous avons deux réacteurs, réacteurs à eau sous pression, qui eux fonctionnent, de nouvelles technologies, et qui ont été démarrés dans les années 80, en 1980 et 81 respectivement, et qui actuellement sont en pleine exploitation. La centrale nucléaire de Saint-Laurent, comme toutes les centrales françaises, appartient à l'État français. Aujourd'hui, EDF est une société anonyme, avec des actionnaires, et l'État français est actionnaire à hauteur de 85%, donc c'est lui qui décide, au sein du conseil d'administration d'EDF, comment on fonctionne et ce que l'on a à faire avec le nucléaire en France. Alors aujourd'hui, à Saint-Laurent, il y a un peu plus de 700 personnes. C'est 721 agents EDF qui travaillons sur la centrale, mais cela ne suffit pas pour exploiter un site comme le nôtre. On a besoin aussi de prestataires permanents. Il y a des gens qui sont là pour la restauration, il y a des gens qui sont là pour les espaces verts, il y a des gens qui sont là en permanence aussi pour nous aider à exploiter le process. Donc là-dessus, il faut rajouter quasiment 250 personnes supplémentaires. Et puis, une centrale nucléaire, il y a de la maintenance, je dirais. Cette maintenance se fait tous les ans. Tous les ans, on arrête les réacteurs, et on arrête les réacteurs avec ce qu'on appelle des arrêts de tranche. Une tranche nucléaire, c'est un réacteur, une salle des machines, une salle de commande. Donc nous avons deux tranches nucléaires à Saint-Laurent, et on arrête chaque année ces tranches nucléaires. On a différentes manières d'arrêter ces tranches. Il y a une manière très simple, qui s'appelle un ASR, un arrêt à simple rechargement. C'est la voiture de vos parents, on s'arrête à la station essence, et on remet du combustible, du gasoil, alors nous en l'occurrence c'est de l'uranium, on recharge les réacteurs et la voiture repart. Ça c'est des arrêts très courts qui durent une trentaine de jours chez nous. Après on a ce qu'on appelle les visites partielles. Alors les visites partielles, c'est une visite au garage. C'est la voiture qui va au garage et là on change l'huile, on change les filtres, on vérifie que l'ensemble des ampoules du véhicule fonctionne bien. C'est quelque chose d'un petit peu plus poussé où on va regarder les gros organes de fonctionnement et à ce moment-là, on fait pareil au niveau de la centrale. On démonte certains outils, on remplace quelques éléments, on revérifie des vannes, des pompes et on redémarre. Ça dure 40 jours. Et puis tous les 10 ans, c'est une des spécificités françaises, on arrête la centrale de manière beaucoup plus longue, sur une période quasiment de 3 mois, 90 jours. Et là, on fait ce qu'on appelle une visite décennale. Là, la voiture, elle est mise en pièces. Tout est mis à plat. Le moindre écrou qui a un petit défaut ou qui pourrait en avoir un est changé. On en profite aussi pour mettre des améliorations sur notre process. Tout est remonté et on a une autorité indépendante qui est l'autorité de sûreté nucléaire, qui est, pour faire simple, le gendarme du nucléaire, qui dit « Ok, Saint-Laurent peut redémarrer pour 10 années supplémentaires ». Donc vous comprenez bien que ce soit pour un arrêt simple rechargement, une visite partielle ou une visite décennale, il ne faut pas le même nombre de personnes qui interviennent. Arrêt simple rechargement, avec 500 personnes, on arrive à le faire. VP, il en faut un petit peu plus. Visite décennale, c'est presque 1500 personnes supplémentaires qui vont venir s'investir à nos côtés au sein de la centrale. Alors, au niveau français, on sait que l'industrie nucléaire génère 400 000 emplois. Et on voit qu'au niveau de l'exploitation des centrales à proprement parler, il y a 20 000 personnes aujourd'hui. Donc comprenez bien que quand on parle de 700 personnes, plus les prestataires qu'on vient de nommer, ce sont autant de familles derrière. Or, tous les gens des centrales vivent autour des centrales. Et il y a des familles avec des bassins d'emploi. Et derrière, ce sont des écoles, ce sont des commerces, ce sont des activités de loisirs. Et une centrale draine effectivement un millier de familles autour de sa zone d'implantation. Alors, la production d'énergie à Saint-Laurent, nous avons deux réacteurs qui produisent chacun 900 mégawatts. D'accord ? Ces 900 mégawatts, ça peut sembler un petit peu, je dirais, abstrait. Ça représente quoi ? Ça représente ni plus ni moins que 2,5 à 3% de la demande d'électricité française tous les ans. Donc Saint-Laurent permet de produire de l'électricité pour 3% des Français, si on fait très simple.
l'énergie nucléaire est-elle rentable ? C'est une question effectivement qui peut être au centre du débat. Ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est que les Français payent leur énergie parmi les coûts les plus faibles qui soient au niveau européen. Ça, c'est quand même important. D'autre part, grâce au nucléaire, qui a été créé effectivement dans les années 70-80, on n'est pas tributaire du gaz, on n'est pas tributaire du pétrole, on est indépendant énergétiquement. Et ça, c'est une vraie, et ça a été, et ça leur reste encore, une vraie plus-value pour la France. C'est le deuxième point. Après, on a une rentabilité nette avec le nucléaire, qui est la rentabilité du CO2. Quand vous passez à côté des aéro-réfrigérants, c'est-à-dire des grandes tours, et que vous voyez ce que certains appellent de la fumée, ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur d'eau. Et de fait, il n'y a pas de gaz à effet de serre. Alors, qui décide de la construction ou pas de nouvelles unités nucléaires en France ? L'État est quand même bien partie prenante. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, avec le débat sur la transition énergétique, c'est aussi un choix collectif, c'est-à-dire une réflexion commune, c'est un choix de société que de choisir l'énergie de demain ensemble. Donc c'est ensemble que l'on peut imaginer ce que l'on fera demain et comment la France pourra faire sa propre énergie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le coût. Il y a différents modes de production avec différents coûts associés. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, on le voit avec l'EPR qui est en train d'être construit à Flamanville, c'est plusieurs milliards d'euros. L'EPR aujourd'hui est à plus de 8 milliards d'euros avant d'avoir pu produire le moindre kilowatt. Donc on verra à terme quel sera le coût d'une unité de ce type-là. La part de l'énergie nucléaire dans l'énergie française, électrique bien évidemment, est de l'ordre de 75%, voire même un petit peu plus. C'est quelque chose qui peut évoluer au fil du temps, sachant qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de dire on produit avec du nucléaire ou de l'hydraulique, c'est bien la somme de l'ensemble des énergies qui nous permettra de construire notre production énergétique demain. L'impact sur l'économie est important. Il est important au niveau des impôts et des taxes déjà. Nous sommes une industrie, on a des impôts et taxes à la fin de l'année. Ces impôts et taxes s'élèvent aujourd'hui, sur l'année 2012, à plus de 31 millions d'euros. On voit que ce n'est quand même pas du tout anecdotique. Et puis derrière, on a parlé de la maintenance des installations. On vous donne, et je vous donne un grand ordre d'idées. On a parlé des arrêts simples rechargement, c'est 6 millions d'euros que l'on met pour acheter des prestations sur la table, donc qui font fonctionner bien sûr les entreprises locales mais aussi nationales. Une visite partielle, c'est comme elle est un peu plus longue, c'est 16 millions d'euros. Et une visite décennale, on va chercher jusqu'à 30 millions d'euros de dépenses du site pour pouvoir faire la maintenance de ces réacteurs.